actrice. Ça me rappelle, en entendant ça, que la présentation va être enregistrée pour être présentée ultérieurement à d'autres membres. Donc, si jamais il y en a qui ne veulent pas être enregistrés, simplement fermez votre caméra vidéo. Comme ça, ben, votre visage ne passera pas à l'écran. Petit partage d'écran et voici la vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la semaine des personnes aînées 2021. Voici un court guide d'utilisation de la plateforme Zoom. Premièrement, dans le coin inférieur gauche, vous pourrez activer et désactiver votre son et votre caméra. Il suffit de cliquer sur l'icône appropriée. Ensuite, dans le menu au centre, en bas, l'onglet Participants permet d'afficher les personnes participantes à la rencontre. Lorsque cet onglet est ouvert, vous pourrez changer votre photo de profil et vous renommer au besoin. Vous pouvez aussi désactiver et activer votre son dans ce menu. Il y a donc deux façons d'activer ou désactiver votre son. Vous pouvez faire disparaître le menu des participants simplement en cliquant à nouveau sur l'icône dans le bas de votre écran. Juste à côté de l'icône des participants se trouve l'icône Discussion permettant d'accéder au clavardage. Vous pouvez communiquer textuellement et même choisir votre ou vos destinataires. On peut faire disparaître la zone de clavardage simplement en cliquant à nouveau sur Discussion, comme on l'a fait pour les participants. En haut à droite, vous aurez le choix entre plusieurs options d'affichage, soit le mode intervenant, qui met à l'avant-plan la personne qui prend la parole, ou le mode galerie. Vous pourrez aussi basculer entre le mode plein écran ou quitter ce mode. Dans le menu du bas se trouve également l'option Réaction, bien utile pour réagir aux présentations, qui contient aussi l'option de lever la main afin de demander un droit de parole et de baisser la main. Finalement, dans le coin en bas à droite, se trouve le bouton pour mettre fin à votre participation et quitter la réunion. Et voilà. Donc, je cède la parole à Francine Hervieux, organisatrice communautaire au CISAT de Val-d'Or et aussi organisatrice dans le comité organisateur de la Semaine des personnes aînées. Et avec la grande population présente à l'activité, je pense qu'on va pouvoir y aller aussi à la bonne franquette pour les questions et tout ça tout au long de la présentation. Et sans plus tarder, Francine, je te cède la parole. Merci, Christian. OK, je me demandais, là, je pensais que je n'avais pas de son, quelque chose qui est apparu à l'écran. Bon, c'est parfait. Alors, ben, je vais y aller avec la partie un petit peu plus protocolaire. C'était quelques mots, dans le fond, pour vous mentionner que l'organisation aujourd'hui de cette conférence est bien sûr organisée par un comité organisateur issu de la table de concertation des aînés de Val-d'Or. Et la table de concertation, bien, elle existe depuis 1999. Alors, ça va faire 22 ans cette année qu'elle existe. Et elle regroupe actuellement 20 partenaires qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie des aînés sur notre territoire. Cette semaine a été bien sûr rendue possible grâce à plusieurs partenaires financiers, la Ville de Val-d'Or, le député et ministre Pierre Dufour, la Foire du Camionneur, la MRC de la Vallée de l'Or, la Table de concertation des aînés de Val-d'Or, Taxibus et le transport La Promenade. Et on peut rappeler que le transport est gratuit pour les personnes de 60 ans et plus pour l'ensemble des activités dans le cadre de la Semaine des personnes aînées. L'AREC, le Cinéma Capitole, la Table régionale des aînés, la QDR de Val-d'Or et bien sûr le CIS Abitibi-Témiscamingue. Alors, on veut remercier tous nos partenaires et nos collaborateurs pour la réalisation, la contribution à la réalisation de cette semaine. Alors, je passerai immédiatement la parole à mes deux collègues de travail qui vont nous entretenir sur un sujet fort intéressant dont le titre de la conférence s'intitule Un vieillissement épanoui. On le sait, le vieillissement fait partie du processus de toute personne et la santé psychologique est un aspect très important dans le vieillissement, tout comme à tous les âges, bien sûr, mais elle en fait partie aussi
Elle a fait partie aussi dans cette phase de vie. Alors, je vais immédiatement laisser la parole à Tania et par la suite, je vais laisser la parole aussi à Audrey pour que vous puissiez brièvement présenter un petit peu votre parcours. Alors, bonjour, moi c'est Tania Renaud, moi, je suis travailleuse sociale, ça fait 13 ans que je travaille pour le CISAT. Majoritairement, là, je travaille au niveau du service à la jeunesse sur la mission du CLSC. Puis j'ai toujours eu là, une petite portion qui est au niveau de la santé publique, ce pourquoi aujourd'hui, dans le fond, j'ai été invitée là, à faire une présentation là, pour la semaine des aînés. Habituellement, dans le fond, dans mon santé publique, là, je travaille beaucoup là, avec les nutritionnistes aussi au niveau là, des programmes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, choisir de maigrir simplement bien, qui est plus au niveau de tout ce qui est les saines habitudes de vie, image corporelle. Fait que, dans le fond, ça faisait un sens là, pour moi là, que avec les autres invités que vous allez avoir dans la semaine, que je fasse partie là, de l'horaire cette semaine. Merci, Tania. Audrey? Bonjour, Audrey Sigouin. Moi aussi, je suis travailleuse sociale de formation. Je travaille, moi aussi, à l'autonomie des personnes âgées, en fait, qui est un programme au CLSC, au soutien à domicile. Moi, ça fait 6 ans que je travaille ici. Maintenant, je suis spécialiste en activité clinique, dans le fond, pour ce programme-là, ce qui fait en sorte que je suis un petit peu plus près de la direction. Je suis en soutien aux équipes, donc je ne fais plus d'intervention nécessairement avec des usagers, mais plus avec les intervenants. Donc, c'est certain que pour moi aussi, ça faisait du sens de venir vous présenter un petit peu nos connaissances, puis essayer de voir avec vous interagir, puis toute la notion du vieillissement. Merci, Audrey. Alors, je ne sais pas si c'est Tania qui débute la présentation. On vous est prêt à commencer? Oui, on serait prêt à commencer. OK, parfait. Fait que dans le fond, on s'est entendu. Je vais vous partager le PowerPoint qu'on a fait. Comme on disait tantôt à Christian, là, si vous voulez interagir tout au long de la présentation, ça serait super. Là, attendez pas à la fin si vous avez des questions, si vous voulez nous donner votre point de vue, puis tout ça, ben nous, on va être là pour répondre à vos questions. Là, on n'est pas beaucoup, fait qu'on va pouvoir se le permettre. Je vais partager mon PowerPoint. Juste me confirmer quand vous le verrez. C'est bien. Confirme. C'est parfait. Parfait. Fait que dans le fond, la présentation, est-ce que vous le voyez? Oui, mais je pense que tu peux comme le... Parce que là, moi, je vois comme... C'est comme pas la bonne fonction de diaporama. Oui, c'est ça. Ah, OK. Pas, Attendez un petit peu. En haut, centre, paramètres d'affichage, tu vas pouvoir basculer entre les deux modes. Ah! Comme ça? Oui, parfait, ça. Yes. Parfait. Donc, je te laisse aller, Tania. Oui, je vais commencer. Dans le fond, ça fait un sens là, avec ce que Francine a introduit aussi. Dans le fond, on a mis une définition pour commencer vraiment de ce qui est le vieillissement. Fait que le vieillissement, c'est un processus constant qui débute bien avant la vieillesse, qui est son aboutissement dans le fond. Fait qu'il y a un âge chronologique, mais surtout la culture, l'époque, un processus spécifique à chaque personne. Fait que c'est vraiment un processus, dans le fond, vers lequel tout le monde... Tout le monde va devoir passer là, au courant de notre vie. C'est juste une petite définition. Fait que dans le fond, ce qui peut différencier un vieillissement qui serait plus normal, puis un vieillissement pathologique, hein, on peut vieillir de différentes façons. Fait que le vieillissement normal, lui, il y a vraiment le processus qui résulte là, vraiment du temps qui est comme dans son ensemble. Parce que des fois, on peut penser qu'il y a des changements qui s'apportent, qui est hors de la norme, alors que c'est dans le fond normal de vivre ces choses-là quand on vieillit. Fait qu'il y avait tout un aspect aussi dans le fond là-dedans qui est physique, là, la diminution de l'élasticité de la peau, l'amincissement des os,
La dignité, on plan des capacités aussi mnésiques, la mémoire. Ça ne veut pas dire, dans le fond, d'avoir un problème dans le pathologique, on voit plus les maladies comme d'Alzheimer, mais d'avoir des petites pertes de mémoire, ça peut être normal. Fait des troubles cognitifs légers, la diminution, dans le fond, de la vue aussi, l'audition, diminution de la vieillesse, le traitement de l'information, l'exécution de la réponse. Fait qu'il y a comme un processus qui est normal aussi. Il faut pas... c'est des choses qui... C'est commun à tout le monde. Où est-ce qu'on peut apporter notre attention quand le vieillissement devient plus pathologique? C'est souvent là, quand il résulte de l'effet du temps affectant l'organisme en partie ou dans son ensemble. Donc, on parle plus de maladies à ce moment-là, avec les ACV, les accidents vasculaires cérébrales, les tumeurs, la maladie de Parkinson, des démences, Alzheimer. Fait que à ce moment-là, on peut y aller avec un vieillissement qui ne serait pas normal. Fait que nous, aujourd'hui, on va s'entretenir plus là, sur le vieillissement normal puis comment qu'on peut avancer à travers tout ça. Et aussi, dans le vieillissement pathologique, dans le fond, faut dire aussi que les habitudes de vie peuvent avoir un impact aussi sur ce vieillissement pathologique-là, mais peut aussi ne pas avoir d'impact. Fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir, par exemple, une maladie de Parkinson, mais qui n'en ont pas dans leur famille, puis qui ont fait attention toute leur vie. Il faut faire attention aussi dans ce type de vieillissement-là. Fait que dans le fond, on voulait vous apporter un peu aussi, là, c'est vraiment une période de transition qui demande des ajustements constants à la personne. Dans le fond, il y a toute la retraite qui arrive, bien souvent des déménagements aussi. Si on doit, dans le fond, des fois de passer d'une maison en appartement, mais il y a beaucoup de deuil qui s'en vient aussi dans se départager de certains objets. Des fois, on peut envisager aussi une résidence. Fait que c'est une étape, dans le fond, qu'on a mis, qu'il y avait beaucoup de deuils à faire quand même. Ça peut être les deuils de la conjointe, des amis proches, votre entourage, la perte du permis de conduire aussi qui est associée souvent en avançant dans l'âge, la perte d'autonomie fonctionnelle. On a besoin de plus d'aide maintenant pour faire des choses qui étaient plus faciles auparavant, l'annonce des diagnostics, maladies chroniques, etc. L'arrêt de vos activités professionnelles, enfin, qui est dans la retraite aussi. Modification des rôles sociaux, on l'a porté dans le sens que tu sais, souvent, on a des gens qui sont impliqués, qui ont, pas juste nécessairement au niveau du travail, mais dans leur vie sociale, ça peut être très rempli. Et qu'il y a des fois des fins d'activités qu'on ne peut plus faire nécessairement. Au niveau des rôles familiaux aussi, on devient grands-parents, ou nos enfants s'en vont, il y a des modifications dans tout ça qui se fait. Il y a tous les changements au niveau corporel, la modification des activités, loisirs ou plaisirs. Fait qu'on l'a porté, nous, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer en même temps. Puis ça ne veut pas dire que pour vous, c'est toutes des deuils nécessairement, mais ça amène une adaptation à ces choses-là aussi, qui est des fois un changement. Des fois, c'est planifié, des fois, c'est non planifié. Mais ça peut, c'est ça, ça demande une période qui... Ça peut être normal que des fois, c'est moins facile de te passer, étant donné la charge de beaucoup de changements en même temps ou dans un temps rapproché. Oui, puis juste une petite parenthèse aussi, tu sais, quand Tania disait période de transition, en fait, c'est qu'on va en vivre tout au long de notre vie des transitions, mais souvent, quand on arrive à partir de l'âge de 50 ans, habituellement, bien, il y a des transitions qui peuvent être vécues positivement, mais qui peuvent être plus difficiles aussi, dont la retraite, le déménagement aussi, comme Tania le nommait. Fait qu'on voulait juste, dans le fond, vous amener cette diapo-là puis ces informations-là, plus pour que, tu sais, vous soyez à l'affût, puis de normaliser un peu cette période de transition-là puis ces pertes-là, parce que, tu sais, des fois, on peut se demander pourquoi on va moins bien ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est juste pour amener le fait que ça se peut des fois, tu sais, que vous viviez un moment un petit peu plus moche, tu sais, justement, parce que c'est à cet âge-là qu'on vit beaucoup de pertes, comme Tania le disait. Le deuil blanc, dans le fond, qui est souvent peut-être pas assez connu ou pas parlé nécessairement. Fait que ça survient, dans le fond, lorsqu'une personne, ça peut avoir comme l'Alzheimer. Fait que les personnes sont. Ils apportent beaucoup de changements, sont plus là nécessairement nouveau, autant il y a des absences au niveau psychologique, dans tout ce qui était l'affectif. Que on peut faire un deuil de la personne, dans le fond, qu'on ne reconnaît plus nécessairement, qui n'est plus la personne qu'on avait
connue avec le temps. Fait que ça peut faire aussi un deuil, même si la personne n'en est pas décédée. Là. Fait que ça, je pense qu'on voulait l'apporter aussi là, pour soulever que ça existe, les émotions de deuil là, dans un. Avec un convivre avec un conjoint qui pourrait être atteint d'une maladie aussi. Dans le fond, tous ces changements-là, on l'apportait aussi là, que ça peut créer un sentiment là, de solitude, d'isolement. Fait que le cumul des pertes, parfois, je vais juste enlever ça, ce sera pas long. Je voyais comme mal. Le cumul des, dans le fond, c'est ça, des pertes, dans le fond, à la longue, là, ça peut apporter de l'isolement parce que justement, on avait peut-être une vie sociale au travail, une vie sociale dans des implications de comité ou divers aussi. Fait que ça peut amener à se sentir plus seul à la maison. Il y a un retrait quand même social. Si on avait des enfants, une grande famille, les gens s'en vont. Fait que ça d'être à l'affût aussi là, de ce sentiment-là d'isolement, de solitude qui peut être quand même vécu normalement. On va voir ensuite un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. On vous amène ça dans toutes vos adaptations que vous allez vivre en premier aussi pas pour faire ouf, ça sera pas facile, mais pour vraiment normaliser que ça, vous n'êtes pas tout seul non plus qui peut vivre tout ça. Puis il y a quand même des solutions qu'on va vous apporter aussi là, pour prendre bien soin de vous à travers toutes ces épreuves-là, là, normalement, qui peuvent survenir au fil du temps. Vieillir en bonne santé mentale, enfin, c'est possible. Ça peut être une occasion aussi de se redécouvrir une liberté nouvelle. Parce que tous ces changements-là, il y en a que c'est vécu positivement aussi. Il y en a que la retraite, bien, ils l'ont entendu, puis ils ont hâte, puis ils ont plein de projets en vue. Fait que c'est pas nécessairement toutes des deuils, les étapes qu'on vous a apportées aussi. Là, il y en a que pour eux, ça va être correct, puis qui étaient rendus là, puis qui ça va être une bonne étape de vie également. Moi, je vous présente dans le fond un modèle conceptuel qui a été créé puis qui démontre en fait quelques perspectives pour un vieillissement en santé. C'est organisé autour de 9 axes d'intervention. Fait que vous voyez le type de modèle en fait, c'est selon une approche plus systémique qui vient dire dans le fond que tout le monde est pas mal responsable d'un vieillissement en santé. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. On a les 5 axes, dans le fond, que vous voyez, le 1, 2, 3, 4, 5, les plus larges, là, en couleur. Eux, dans le fond, sont définis selon une perspective d'action sur les grands déterminants de la santé. Fait que, dans le fond, sans prendre en considération, là, la santé de la personne, avec, sans maladie, incapacité ou problème, là. On parle vraiment plus, de la communauté, société, gouvernance, organisation. Je vais vous les expliquer après. Puis les 4 autres axes que vous voyez dans le milieu, le 6, 7, 8, 9, qui sont élaborés selon un continuum de l'état de santé des personnes âgées et des problèmes vécus selon chaque situation indépendante. Fait que dans le fond, le premier axe que vous voyez, améliorer les aptitudes individuelles et la capacité d'adaptation de la personne âgée, on peut faire ça en agissant sur ses connaissances, ses attentes, ses valeurs, les croyances, les attitudes face à la santé, au vieillissement, au déclin fonctionnel, en agissant aussi sur la vie spirituelle, le sens que la personne va donner à sa vie, son estime d'elle-même, la perception de son utilité, puis de l'importance de sa contribution aussi. Les compétences personnelles, sociales, on veut dire dans le fond, par rapport à ça, le plus la capacité de résolution de problèmes, gestion du stress, capacité d'entrer en relation avec autrui. On peut améliorer l'axe 1 aussi en agissant sur son éducation, son fonctionnement cognitif, notre force physique, le revenu personnel, les habitudes de vie, par exemple l'utilisation appropriée des médicaments dont on a besoin, l'utilisation des services préventifs. Fait que dans le fond, ça serait vraiment par rapport à l'axe 1. Tous les axes sont interreliés. L'axe 2, dans le fond, qui est créer des milieux de vie sains et sécuritaires en agissant sur bon, la qualité du lieu de résidence. Fait que ça peut être, dans le fond, choisir un lieu de résidence propre à sa situation aussi. Donc, quand on décide de déménager, par exemple, dans une résidence privée, parce qu'on se sent plus en sécurité, parce qu'il y a plus de soins et de services pour nous.
En agissant aussi sur la qualité de vie du quartier, l'accessibilité, la sécurité, est-ce qu'il y a un transport qui est proche dans le fond, par exemple, nous ici, taxi-bus, est-ce que je suis proche d'un arrêt comme ça pour aller faire mes courses, puis tout ça. En agissant aussi sur la sécurité des lieux publics qu'on fréquente, l'ensemble des infrastructures et dispositifs, les conditions de travail, soit d'une personne qui est bénévole ou rémunérée si elle travaille. Et en agissant aussi sur la disponibilité et l'accessibilité de l'ensemble des produits, des biens et services. Fait que vous voyez que les axes que je vais vous nommer, 1, 2, 3, 4, 5, c'est plus en fait la communauté, la société, qui va pouvoir mettre un petit peu plus en place ces axes-là pour aider la personne dans sa perspective pour un vieillissement centré. On a l'axe 3, qui est améliorer l'environnement général et les conditions de vie de la personne âgée en agissant sur les normes sociales concernant le vieillissement et les personnes âgées, l'ensemble des programmes et des politiques publiques à tous les niveaux de gouvernance. Fait que dans le fond, ça peut être dans les domaines du transport, de l'économie, des loisirs, domaine social, sanitaire. Des questions jusqu'à maintenant? Parfait. Christian, tu me le dis, hein, finalement, je ne vois pas le chat du tout. Pas de problème, il n'y a pas de questions. Merci. Pour l'instant. On a aussi l'axe 4 qui est en fait organiser adéquatement les services de santé et les services sociaux nécessaires. Donc, on aurait dans cette partie-là, bien encore là, les croyances, valeurs, connaissances puis les attitudes des gestionnaires puis des intervenants du réseau de la santé à l'égard du vieillissement, des problèmes, des besoins, ce qui fait en sorte qu'on peut mettre des services en place en fait pour pallier aux incapacités ou aux besoins. Les mécanismes de partage de l'information, de participation, de prise de décision. Tu sais, un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait, là, essayer d'informer pour être un petit peu plus dans la prévention. Les compétences, les pratiques professionnelles, incluant les pratiques cliniques préventives. Et la mise en œuvre des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles nécessaires. Donc, ça pourrait être, par exemple, d'avoir besoin de plus d'intervenants, en fait, au soutien à domicile pour pouvoir intervenir adéquatement. On a l'axe 5, qui est favoriser l'engagement et la participation sociale de la personne âgée et améliorer le soutien à la personne et à ses proches aidants. En agissant sur l'ensemble des valeurs, encore ici, croyances, attitudes face au potentiel et aux besoins de la personne âgée et par rapport à l'importance de son rôle dans sa communauté. En agissant sur les liens de la personne âgée avec sa famille, ses proches, les liens avec les membres de sa communauté, avec toutes les générations, les possibilités pour la personne âgée de s'engager dans des activités qui ont un sens pour elle, de se développer et de participer à la vie sociale. Et encore là, ben, la qualité du réseau de soutien informel et formel pour répondre à ses besoins. Donc, ces cinq axes-là sont interreliés et ils vont être reliés aussi avec les axes que je vais vous parler, qui sont les 6, 7, 8, 9, qui sont plus, qui agissent plus là, à titre de la personne elle-même. Donc, on a l'axe 6. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous le lire quand même. Éviter l'apparition des problèmes psychosociaux et des problèmes de santé physique et mentale par la réduction des facteurs de risque. Fait que dans le fond, ce sixième axe-là d'intervention, il vise la prévention de l'apparition des problèmes psychosociaux et des problèmes de santé physique et mentale par la détection et la réduction des facteurs de risque associés. Fait que dans le fond, certains de ces facteurs de risque-là, ils peuvent apparaître ils apparaissent dans le fond particulièrement prédictifs de perte d'autonomie ou de fragilité. Je peux vous en nommer là, qu'on voit le plus souvent, qui sont l'isolement, comme on a mis tantôt, l'exclusion, le tabagisme, la dénutrition, malnutrition, les risques de chute, utilisation inappropriée des médicaments aussi. Souvent, avec l'avancée en âge, en fait, on a besoin de prendre plus de médications que quand on est dans la vingtaine. Puis, si on prend mal les médicaments ou qu'on ne les prend pas puis qu'on devrait les prendre, ça peut avoir un impact. Le statut vaccinal inadéquat, les infections, ça rentrerait dans cet axe-là, dans le fond. Les 6, 7, 8, 9, là, c'est l'axe où est-ce qu'on a le plus de pouvoir, personnellement.
L'ACCEPT, qui est détecter les problèmes de santé physique et agir précocement, fait que ça vise la détection des problèmes de santé physique qui sont dans certains cas totalement réversibles. Fait que plus qu'on est à l'affût un peu de ces problèmes de santé physique-là, plus qu'on va être en mesure de les traiter puis d'éviter l'apparition de problèmes plus graves par la suite. Donc, la mise en place précoce de mesures correctives ou de traitements appropriés, ça fait partie de cet axe d'intervention-là. Donc, on pourrait être à l'affût, par exemple, du diabète, maladies respiratoires, circulatoires, ostéoporose, certains cancers aussi. L'axe 8, qui est détecter les problèmes sociaux et de santé mentale et agir précocement. Donc, encore là, on parle de la détection des problèmes puis qui sont réversibles. Donc, en les détectant précocement, bien, on peut agir puis avoir beaucoup moins d'impact pour la suite. Je vais vous donner des exemples. On avait, oui, ici, les abus, la négligence, la violence, les troubles cognitifs, la dépression, les troubles anxieux. Quand vous ressentez que vous avez, vous n'êtes pas dans votre état normal, on a tendance à dire, parce qu'on vieillit, c'est normal qu'on soit plus isolé, c'est normal qu'on donne plus d'argent aux gens qui nous entourent, c'est normal qu'on perde la mémoire. Bien, en fait, ça peut être normal, mais jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est pour ça que nous, on vous invite à consulter, à en parler à votre médecin, à en parler aux gens qui vous entourent. Parce qu'il ne faut pas banaliser ces problèmes psychosociaux-là et de santé mentale. Fait qu'en agissant précocement, comme on dit, on peut éviter beaucoup de problèmes de santé qui peuvent agir plus tard. Finalement, le dernier axe, qui est l'axe 9, gérer adéquatement les conditions chroniques. Donc, ça vise à assurer un traitement ou une gestion des conditions qui surviennent et qui s'installent au long cours pour en limiter ou en retarder les conséquences. Donc, pour ce faire, on offre à la personne âgée atteinte et à sa famille tous les services dont elles ont besoin et un suivi approprié. Les principales conditions chroniques qui se manifestent, dans le fond, chez les personnes âgées, c'est les maladies habituellement de l'appareil circulatoire, les tumeurs, le diabète, les maladies pulmonaires, les maladies du système ostéo-articulaire. Donc, une gestion, dans le fond, efficace des maladies chroniques, ça pourrait être, par exemple, un suivi approprié, un suivi au proche aidant, une médication appropriée. Donc, cet axe-là vient dire que même si vous avez une condition chronique, bien, en fait, le fait de la gérer adéquatement peut venir réduire les risques de santé. Puis, on a toujours, dans notre concept ici, là, personnes, famille et proches, communauté, gouvernance et organisation. Donc, tout ça, ça a un lien sur un vieillissement là, en santé. On vous a inscrit ici quelques stratégies pour prendre soin de soi, dont conserver une activité physique régulière. Le fait aussi de conserver une activité physique, bien, c'est certain que ça peut aider au niveau de l'isolement aussi, parce qu'habituellement, bien, si vous allez marcher, vous allez voir d'autres gens ou si vous joignez à des activités de groupe. Avoir une alimentation équilibrée, même si on banalise ça, c'est très important aussi. Entretenir des liens sociaux afin d'éviter l'isolement, les relations familiales, amicales, positives aussi, parce qu'entretenir des liens sociaux négatifs peuvent aussi avoir un impact plus négatif que ne pas avoir de liens sociaux du tout. Pratiquer des activités de source de plaisir, dans le fond, qui vous font du bien. Continuer d'apprendre pour nourrir son esprit. Ça peut juste être des fois de faire des casse-têtes, des mots croisés. On le voit beaucoup, en fait, là, les gens avec l'âge là, qui continuent à pratiquer leur mémoire puis des choses comme ça, bien, on voit vraiment une amélioration à long terme. Ils continuent d'être stimulés, fait que ça aide beaucoup. S'engager socialement aussi. Un sentiment d'utilité aussi, ça peut venir faire une différence. Pour revenir, Audrey, vous continuez d'apprendre pour nourrir son esprit. On disait, c'est souvent, on se retrouve des fois à des soupers de famille, puis là, il y a des discussions de toutes sortes, puis on peut peut-être se sentir un peu perdu dans tout ça. Fait que, tu sais, d'aller lire sur Internet, écouter les nouvelles, bien, ça vous apporte aussi à vous sentir des fois un peu plus dedans dans les discussions, avoir des choses à apporter aussi, là, que vous avez... pris connaissance là, de vous-même aussi. Là, fait que, de ne pas vous laisser dans le fond
dans la solitude, mais vraiment d'aller vous nourrir. Puis là, on se sent plus engagé socialement, plus dedans les discussions aussi quand on nourrit nos connaissances, dans le fond. Merci, Tania. On avait aussi cultivé son estime de soi, donc connaître ses forces, ses limites, ses valeurs, accepter les compliments, puis apprendre à gérer son stress, à lâcher prise, à avoir du temps pour rien faire. Porter attention à sa santé physique aussi peut préserver sa santé mentale, dans le fond. Fait comme on le disait un petit peu au travers des axes tantôt, si vous portez attention à votre santé physique, ben le fait de ne pas banaliser qu'on vit une difficulté puis d'aller consulter notre médecin puis de lui nommer, ben en fait, ça peut avoir un impact positif pour réduire les conséquences, mais aussi pour améliorer la santé mentale par la suite. Et ne pas laisser s'installer la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil ou un autre trouble psychique, même si on les juge mineurs en se disant, comme on fait régulièrement, ça va passer, c'est pas grave. Fait que d'en parler, dans le fond, à votre médecin traitant. Si vous avez un médecin de famille, c'est l'idéal. Il pourra vous conseiller, là, dans le fond, vous aider à dire si c'est vraiment normal ou sinon s'il y a quelque chose à corriger. C'est sûr que dans chaque moyen qu'on a proposé aussi, chaque moyen pourrait avoir d'autres outils, apprendre à gérer notre stress, mais comment je fais ça, après ça, de lâcher prise. Fait que, c'est tous des moyens, dans le fond, qui peuvent demander parfois un accompagnement, des lectures aussi. Il ne faut pas vous gêner d'en parler à votre entourage. Des fois, un échange de moyens là-dessus, ça peut être très bénéfique. Puis, il existe aussi là, des services qu'on va voir plus loin là, qui peuvent vous aider, mais chaque petit point qui est apporté, dans le fond, pourrait être un point en soi à développer. Fait que c'est de voir comment moi je vais faire ça dans toute cette adaptation-là, tous les changements que le vieillissement apporte. Dans le fond, c'est de ne pas laisser ça aller, c'est de dire je le prends en main et je veux aller bien au niveau de ma santé psychologique. Parce que si je ne vais pas bien mentalement, ben c'est bien beau de me dire de bouger et manger bien, mais comment je vais m'y prendre si finalement. J'ai juste le goût de rester assis et écouter la télévision toute la journée. Fait que c'est aussi important de prendre soin de votre santé mentale, dans le fond, que de tous les autres points au niveau de toutes les saines habitudes de vie. La gestion de stress fait partie d'une saine habitude de vie. L'estime de soi d'une personne au courant de la vie, des fois, à vie des hauts et des bas, c'est toujours en construction à refaire à travers les étapes de vie. Fait que tous ces points-là, c'est des petites affaires. Des fois un peu plus abstrait comme concept, mais c'est très important. C'est, tu sais, en nutrition, bon, on le sait, il faut manger plus de légumes, mais des affaires plus concrets. Alors que nous, c'est plus aller dans le comment je vais faire ça. Puis des fois, ça prend vraiment des discussions avec des groupes, tu sais, de vous inscrire. Des fois, c'est plus les mêmes activités que vous faites, mais il y a toutes sortes de moyens d'aller faire d'autres sociales, puis d'aller chercher un partage, un échange dans tout ça aussi là, pour aller chercher les bons outils, les bons moyens pour y arriver. Oui, puis on voulait aussi l'amener positivement pour vous démontrer en fait que vous avez un certain contrôle sur le futur. Tu sais, souvent, on parle du vieillissement, puis c'est vu comme si c'était négatif, mais dans le fond, tu sais, on est rendu à l'apogée de notre expérience où est-ce qu'on a accumulé beaucoup d'expériences de vie. Et où est-ce que vous avez encore le plein pouvoir, en fait, sur certains actes, surtout pour aller demander de l'aide si vous avez besoin, puis consulter, puis tout ça. Fait qu'on ne voulait pas l'emmener dans un acte négatif. T'sais, on a marqué beaucoup de choses. Comme Tania dit, ici, apprendre à gérer son stress, c'est large. Là, on en comprend, mais on voulait juste vous amener un peu le fait que vous avez le pouvoir un petit peu sur la façon dont la vieillesse est vécue. En résumé, dans le fond, cette attitude clé pour un vieillissement épanoui, maintenir un degré d'autonomie satisfaisant, donc malgré le fait qu'on présente des incapacités, c'est toujours de se dire qu'est-ce que je peux faire à mon maximum. Par exemple, si vous avez besoin d'aide, par exemple, pour aller faire vos courses, ben est-ce que si votre neveu vient vous chercher pour aller faire les courses, ben vous pouvez dire, je vais embarquer avec toi, tu sais, je ne suis pas capable de débarquer pour aller faire les courses, mais par exemple, au niveau social, ça va me faire du bien d'être dans le tour, je vais y aller. Toujours vous donner droit de garder cette autonomie-là, plus qu'on en fait souvent aussi, plus qu'on reste en certain contrôle de notre situation, puis où est-ce qu'on reste cultivé aussi socialement.
conserver la maîtrise, la responsabilité des événements. Donc, il y a des choses auxquelles on n'a pas le contrôle, comme souvent la maladie. Par contre, on a toujours un certain contrôle dans la façon dont on le vit. Et ça a un impact positif aussi. Avoir de bonnes capacités d'adaptation, entretenir des relations affectives de qualité aussi, comme on disait tantôt, rester engagé dans la société comme vous le pouvez, comme vous le voulez aussi. C'est sûr que si vous êtes une personne qui n'a pas envie de vous engager bénévolement dans 36 000 projets, bien, ça ne sera pas positif pour vous. Fait que, t'sais, si vous n'avez jamais fait ça dans votre vie, bien, ça ne vous tentera probablement pas de le faire plus tard. Fait que, dans le fond, c'est rester engagé, mais selon vos valeurs et selon votre personnalité. Avoir des revenus suffisants, c'est sûr que ça a un impact positif aussi parce que vous pouvez, on peut s'offrir en fait les soins et services qu'on a besoin, puis c'est plus enclin à un vieillissement positif et donner un sens à sa vie. On vous a inscrit ici certains services, ressources disponibles. Vous en connaissez peut-être plus aussi. Moi, je vous avouerai que je travaille, dans le fond, soutien à domicile. Fait que je travaille beaucoup avec des gens qui ont des incapacités, qui sont nommés. Donc, quand on a besoin de services, on ne voulait pas juste aller dans cette optique-là, mais on vous en a quand même nommé ici par rapport à la perte d'autonomie fonctionnelle. Donc, c'est vraiment dans le secteur de la Vallée de l'Or, là, les services ressources qu'on va vous nommer. Donc, on a le coup de pouce communautaire de Malartic qui offre un service de popote roulante. Popote roulante, en fait, c'est des repas qui sont apportés à domicile chez la personne qui demande le service. Entretien ménager, déneigement, transport de dépannage, tonte de gazon, information, sensibilisation auprès des personnes âgées. Donc, si vous avez besoin d'informations, là, vous pouvez vous référer au CLSC de Malartic. Le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or qui offre aussi de l'entretien ménager, accompagnement, transport, dépannage alimentaire, cuisine collective. Le Centre de bénévolat aussi offre des services à domicile là, concernant les activités de la vie quotidienne. Donc, ça peut être de l'aide pour des toilettes partielles, pour l'habillement, des choses comme ça, toujours en collaboration avec le CLSC. Et on a la popote roulante, dans le fond, à Val-d'Or, qui est un peu comme je vous expliquais tantôt à mon article, un service de repas qui est livré à domicile. Si je ne me trompe pas, c'est 5 $ par repas. Par rapport plus, dans le fond, au support là, concernant les deux véhicules, l'isolement et des activités, on a le centre de jour gériatrique ici à Val-d'Or qui se situe au CHSLD. Où des activités sont offertes en fait en lien avec différentes sphères. Fait qu'ils font beaucoup de stimulation cognitive aussi. Il y a quelques petites danses aussi qui sont offertes, des activités physiques. Vous pouvez vous référer dans le fond là-bas directement si vous voulez des informations. On a inscrit aussi la QDR qui offre des cours d'informatique, de l'aide, support auprès des instances gouvernementales, accompagnement en défense des droits, déjeuner, conférences, ainsi que plusieurs activités ponctuelles. J'ai vu Guylaine tantôt à QDR, donc j'imagine que tu fais partie du regroupement. Si jamais je dis des mensonges, tu peux me corriger? Non, c'est correct, je suis l'intervenante communautaire. Ah, parfait. Okay. Fait que j'ai bien fait ça, c'est les services que vous offrez. Oui. Non, beaucoup d'accompagnement. Génial. Et on inscrit aussi la vie autonome qui offre des cafés-rencontres, activités sociales, partage d'idées, de vécu, développement des aptitudes, services d'information, réseautage. Club des aînés de la Vallée de l'Or, en fait, qui vise à rejoindre là, les personnes de 50 ans et plus grâce à une programmation sportive, sociale, variée. Et le Club de l'Âge d'Or de Jacques-Olin. On a aussi ici un regroupement, dans le fond, là, qui est vers un mieux-être ensemble, une activité de groupe pour les gens distants et plus, dans le fond, par rapport aux traits plus anxieux ou dépressifs. Vous pouvez vous référer à l'accueil psychosocial du CLSC. Là, je peux vous laisser le numéro de téléphone du CLSC, qui est le 819-825-5858, si jamais vous voulez appeler là, pour avoir des informations. On a aussi une autre activité de groupe qui est la vie active. C'est organisé pour les personnes de 50 ans et plus qui sont toujours autonomes. Encore là, vous pouvez vous référer au CLSC si vous voulez plus d'infos. En appelant au CLSC, là, vous allez voir, ils vont pouvoir vous référer à s'il y a des groupes en cours, des choses comme ça. Il y a des choses qui ont été arrêtées là, pour, pendant la pandémie, mais la reprise se fait quand même assez graduellement. Là, ça va bien, il y a beaucoup de choses qui ont été remises sur pied.
Des suivis psychosociaux aussi qui sont offerts par le groupe de médecine familiale, donc le GMF. Et suivis psychosociaux aussi qui sont offerts par l'accueil psychosocial du CLSC. Donc, si jamais, après là, la présentation, vous sentez, vous dites « Ah, crème, mais ça fait un petit bout de temps que je sens que ça va moins bien. J'aimerais savoir si c'est normal ou j'aimerais peut-être avoir du soutien ou j'aimerais peut-être pouvoir en parler à quelqu'un. » Mais vous pouvez appeler au CLSC et ils vont vous référer vers le bon programme. En GMF, c'est la même chose, les suivis là, par une travailleuse sociale. En GMF, dans le fond, c'est si vous avez un médecin de famille qui fait partie d'un GMF, vous allez avoir la travailleuse sociale de votre clinique. Si vous n'avez pas de médecin en GMF, dans le fond, c'est les services sont offerts par le CLSC. Oui, puis n'hésitez pas à vous référer à votre médecin de famille qui va pouvoir là, vous référer directement. Des fois, ils ont des travailleuses sociales qui font partie de leur clinique. Là, ils pourraient vous référer à eux. Sinon, ils vont vous dire où vous orienter ou ils vont pouvoir faire une référence pour vous. Puis, on a aussi des séances d'activités qui sont réservées aux personnes aînées autochtones, qui sont offertes par le Centre d'amitié autochtone. Donc, vous pouvez vous référer là, à ce centre d'amitié-là si vous connaissez une personne qui pourrait avoir besoin de ce service. Donc, ça serait pas mal ça, en fait. Je peux arrêter notre partage d'écran. Ça serait, en gros, notre présentation qu'on voulait vous démontrer. Est-ce que vous avez des questions, des partages de vécu, des discussions? Je ne suis pas un aîné moi-même, mais j'ai envie d'intervenir pour une chose. En fait, ce que je voyais dans lutter, apprendre à gérer son stress, tous ces moyens-là, mais tu sais, c'est des moyens qui s'appliquent un peu à tout le monde. Je pense que c'est des compétences qu'on développe tout au long de notre vie. Mais effectivement, que le vieillissement, parfois, jumelé avec une certaine exclusion sociale, peut amener, dans le fond, que ces conséquences-là de moins bien gérer son stress et tout ça augmente. Dans les participants qu'on a aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui sont impliquées socialement, qui ont une vie active. Puis on voit que le vieillissement, malgré parfois la maladie, malgré certaines limitations qui peuvent s'ajouter avec le temps, lorsqu'on demeure actif, bien, la maladie n'est pas nécessairement un frein à avoir un vieillissement épanoui. Fait que je pensais que c'était important là, de le nommer. Il y a la perspective santé physique, mais la santé physique, même ça va moins bien parce que le vieillissement parfois amène des maladies, comme tu as nommé, peut-être plus de médications, etc. Mais lorsque c'est bien géré, qu'on réussit à avoir une activité sociale, une présence sociale, une certaine contribution sociale, bien, la maladie ou les conséquences de maladie souvent sont amenuisées. Donc, pour le reste, bien, les outils, c'est souvent des outils qu'on va développer tout au long de la vie, mais qui deviennent parfois d'apparence un peu futiles, peut-être avec le vieillissement, justement, parce que bien, quand on vieillit, on ne travaille plus, on ne devrait pas être stressé. Non, non, il y a plein de choses, il y a plein de bilans, plein de deuils, etc. Donc, les deuils, ce n'est pas nécessairement juste les personnes, c'est dans le bilan de vie, des choses qu'on pense à réaliser, qu'on se rend compte qu'on ne réalisera pas, etc. Mais il reste encore du temps, justement, la vieillesse. Je pense que souvent, avec la retraite, c'est de pouvoir profiter du temps et de le mettre là où on veut, selon nos valeurs, puis de se respecter. Je pense que le vieillissement épanoui, une des clés du vieillissement épanoui, justement, c'est de savoir où mettre l'énergie qu'on veut bien dépenser là où ça nous fait du bien, c'est d'être capable de l'identifier. Donc, je pense que c'est un point important pour dépasser souvent les limitations de la santé physique qui peuvent faire partie, tu sais, du vieillissement relativement normal. Tu sais. Exactement. Par rapport au stress aussi, souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont une gestion de stress qui est faite par des moyens qu'ils utilisent au quotidien, puis avec le temps, des fois, on met de côté certaines choses où on n'est plus capable de les faire, puis là, il y a comme une gestion de stress là, qui prend un petit peu plus de place, là, notre petit verre d'eau déborde, puis on est comme pris un peu avec tout ça. Fait que, souvent, les moyens, on les a, des fois, c'est l'accès aussi, puis tu sais, avec la pandémie, pour avoir travaillé pendant la pandémie en GMF, justement, tous nos moyens habituels n'étaient plus accessibles nécessairement. Souvent, c'est ça. Fait que, puis avec la distance, les gens, les grippes, hein, vous voyez, je m'excuse, je me mouche tout au long de la rencontre. Fait que, c'est des fois, nos moyens utilisés habituellement sont moins accessibles. Fait qu'il faut innover, puis c'est ça, de ne pas hésiter à en parler parce que
à tout âge, on envoie là, du stress. Fait que c'est un partage de moyens, d'essayer des nouvelles techniques. Ça peut être bien aidant pour tout. D'autres interventions, réactions à propos à apporter à nos conférencières d'aujourd'hui? Oui, moi, j'aurais quelque chose. Ma question, ça va à Mme Audrey Sigouin. Mme Sigouin, j'aimerais savoir si vous avez déjà pensé, quand on parle de vieillissement, à l'Association des grands-parents du Québec. Non, parlez-moi-en. C'est que l'Association des grands-parents du Québec, comme vous savez, on essaye de défendre les droits des grands-parents pour qu'ils puissent voir leurs petits-enfants. Aujourd'hui, avec la vie qu'on connaît, la vie des fois, des divorces et tout ça, ça peut occasionner des deuils, autrement dit, comme vous dites dans votre allocution. Ben, ça sera bon que vous alliez sur le site Internet Association des grands-parents du Québec et vous allez voir un peu comment, qu'est-ce que c'est, et ça va vous donner une idée générale exactement que ça peut arriver dans votre travail de travailleuse sociale, parce que je vais te le dire, on en a plusieurs ici en région. Quand je te dis plusieurs, actuellement j'ai 15 dossiers actifs. Génial. Puis dans le fond, on réfère les gens directement. Là, je suis sur votre site, là, justement. On réfère les gens au numéro de téléphone qui est inscrit. Exact. 8-1-8-6-6, c'est marqué. Ouais. Et puis, suite à ça, on a café rencontre, on a les différents avantages. Le coût, c'est 25 $ pour un individu et avec un conjoint, c'est 40. Et aussi, ça permet aussi d'avoir un escompte sur si on est obligé de prendre un avocat. On a un avocat spécialisé face à ça. On a café rencontre, comme j'ai dit. On a aussi une ligne d'écoute avec Mme Monique Avoine et autres bénévoles. Fait que je pense qu'avec tout ça, ça permet, et ça, que ce soit en Abitibi ou la Côte-Nord, parce que j'ai vu des cas de Côte-Nord, et c'est à travers la province. Et si tu vas voir l'article 611 du Code civil, ça va te permettre exactement, ça va donner un règle général. Parce que ça inclut aussi le droit de la jeunesse, le droit de la famille. Ça fait que ça inclut tout ça. C'est temps pour vous renseigner là-dessus. C'est intéressant parce que moi qui travaille avec beaucoup de familles aussi là, à la jeunesse, je me suis pris l'information en note parce que dans des situations justement des fois de conflits de séparation, des choses comme ça, là, les grands-parents sont impactés de tout ça. Mais je me suis pris en note. Je vais transmettre l'info à mon équipe jeunesse aussi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Francine? Je voulais juste revenir sur le fait que la semaine des personnes aînées, on a comme trois thèmes, la sécurité, la diversité, mais la bienveillance aussi. Puis je trouve que la bienveillance, bien, ça rejoint aussi les propos, c'est ça que vous avez apporté aujourd'hui, parce que des fois, on a tendance, tous les humains, là, peu importe l'âge dans lequel on est, des fois, on est dur envers soi, envers soi-même. Donc, c'est important d'apporter aussi de la bienveillance envers soi. Parfois, on peut entendre des discours très, très, très durs, là, dire « je suis une personne, je suis inutile », parce que, bon, tu t'en parlais tout à l'heure, il y a un retrait social qui se fait avec la période de la retraite et tout ça. Et parfois, bon, il y a des deuils aussi tout au long de notre parcours qu'on doit faire face. Et parfois, on peut être très, très, très dur, c'est ça, envers soi. Donc, développer de la bienveillance envers soi-même, je pense qu'effectivement, c'est
C'est un aspect important. Puis ça fait partie de notre thème, et la bienveillance, c'est sûr, envers les autres, mais aussi envers soi. Alors, c'était le petit mot que je voulais rajouter en lien avec la présentation que vous avez faite. Oui, merci. Semble faire le tour pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je recéderai la place à Francine pour nous amener vers la fin et l'évaluation de la rencontre. Oups, un instant. Bon, là, j'ai tout perdu. Je vais essayer de... Et voilà. Alors, en terminant, je veux remercier mes deux collègues, Tania et Audrey, pour leur présentation. Alors, merci beaucoup pour la présentation d'aujourd'hui. C'était fort apprécié. Merci. Et demain, il nous reste deux journées à la semaine des personnes aînées, demain, mercredi, le 6 octobre, et jeudi, le 7, ça va terminer notre semaine. Et demain matin, on aura une conférence qui touche aussi sur les saines habitudes de vie. Et à 10 heures demain matin, c'est avec notre collègue, ma collègue aussi, Isabelle Lamarche, et qui va nous parler de la pandémie jusque dans notre assiette. Alors, les événements, bien sûr, des derniers temps ont fait en sorte que nous avons parfois modifié notre façon de nous alimenter et de faire notre épicerie. Des changements pas toujours à notre avantage. Alors, elle nous invite à regarder ensemble de petits trucs faciles pour conserver la santé et le plaisir de manger tout en se facilitant la vie. Alors, ça, c'est demain matin. C'est toujours en ligne. Et en après-midi, nous aurons la conférence de Rose-Marie Charret, qui est une dame... une communicatrice bien connue ici au Québec. Alors, elle aussi, le titre de sa conférence, c'est « Comment ça va? ». Elle dit que l'année a été particulièrement difficile pour les aînés. Il y a lieu de maintenir des liens authentiques et de se demander mutuellement comment ça va. Et la bienveillance contribue à la résilience dont nous avons tant besoin. Alors, ça risque demain d'être une conférence fort intéressante. Et ça, c'est demain. C'est toujours aussi en visioconférence et c'est à 14 heures. Et pour la dernière journée de la semaine des personnes aînées, jeudi, le 7 octobre, il y aura une marche animée tout au long du sentier pédestre J.P. Fortin. Alors, c'est le sentier, là, la piste cyclable vers l'aéroport. Alors, ce sera une marche animée par Mme Ginette Vézina et la marche sera entrecoupée d'exercices et de lectures. Alors, il y a des panneaux, je ne sais pas si vous avez vu les panneaux des personnes aînées, permettant de découvrir la richesse du sentier pédestre et bien sûr de la forêt récréative. Alors ça, c'est à 10 heures jeudi et il faut réserver sa place au 824-5500. Et l'après-midi, il y aura une autre conférence sur l'activité physique avec Ginette Boudreau, qui est kinésiologue. Et en soirée, on va clore la semaine avec un spectacle de contes offert par Mélanie Roberge. Il faut aussi réserver sa place au 824-5500. Alors, on espère vous voir en grand nombre au cours de ces dernières activités. Merci beaucoup, Francine. Je vois que Mélise semble absente. Je vais démarrer le sondage sur l'activité, en fait, un petit questionnaire. Oh, Mélise est de retour. Est-ce que tu veux lancer le sondage? Tu peux y aller, Christian. Merci. Donc, vous avez trois petites questions à répondre, à choix de réponse. Donc,
c'est lancé. On vous remercie de votre participation, de l'évaluation, de la rencontre. Remerciement particulier à nos conférencières de s'être dégagées pour venir à la rencontre. Et oui, Monique, tu as la main levée, je viens de voir ça apparaître. Tu m'entends? Oui. Je voulais tout simplement préciser que le spectacle de Mélanie Roberge, Francine a mentionné que c'était un spectacle de conte, mais il y aura quand même de la musique. C'est un spectacle aussi de musique parce qu'elle est chanteuse, puis elle nous transmet bien la belle musique québécoise et francophone à travers le monde. Alors, ce sera essentiellement de la musique, mais entrecoupé de contes, là, peut-être entre chaque chanson. Donc, en contes et en musique. Exactement. Puis, je voulais juste, si tu permets, Christian, une parenthèse, quand Francine parlait de bienveillance, je pense qu'il faut vraiment... Le PowerPoint, mesdames, il était très explicite. C'était extrêmement intéressant. C'est aussi mon milieu professionnel, sauf que j'étais plus à l'enfance, moi aussi, qu'aux personnes âgées. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que ça prend tellement d'écoute dans l'ici et maintenant, là où on rencontre les gens. Ça bascule tellement vite en termes d'une personne qu'on peut percevoir comme autonome, puis tu la revois, puis tu prends le temps de l'écouter. Ça a basculé, des amis sont partis, des amis sont décédés, puis qu'en apparence, même en vivant en ville, on a souvent affaire à des gens, si on les écoute réellement, qui ne sont plus autonomes. C'est une perception, une distorsion finalement de leur réalité, parce qu'on pense les connaître, mais il y a des changements, puis ces gens-là ne sont pas tous greffés au réseau, puis n'ont pas besoin de l'aide si l'entourage se conscientise à l'importance de la bienveillance, puis de l'écoute, justement. C'est juste ça que je voulais rajouter. Si nos conférencières voulaient réagir aux commentaires de Monique. Très bon point. Effectivement. Puis, tu sais, on le voit de plus en plus. Nous, en tout cas dans le réseau, c'est dommage, mais souvent les proches aidants s'éloignent ou, tu sais, prennent pas en considération, malheureusement, quand il y a des difficultés. On le voit quand on travaille avec des personnes en perte d'autonomie, quand le réseau social, familial est impliqué, on voit vraiment une grosse différence au sein des capacités de la personne, puis de son humeur, puis tout ça, que quand il n'y a pas de réseau social d'impliqué du tout. Fait que oui, c'est tellement important. Puis la distance aussi dans des régions comme en Abitibi, on ne vit pas tout au centre-ville, on n'a pas toujours accès à des transports non plus, puis on peut être isolé même socialement parce qu'on habite à l'extérieur de la ville. On a de moins en moins des grandes familles pour prendre soin des personnes. Exactement. Aussi. Ça repose souvent sur un ou deux enfants plutôt qu'à une époque, on peut avoir des fois 8-9 frères et sœurs qui pouvaient faire chacun un bout. Maintenant, c'est un peu plus difficile à ce niveau-là aussi. Ou pas d'enfants du tout. Ça augmente l'isolement. Mm. Mm.